On s'en va déjeuner. Toujours à Paracas. Jour 3. Jour 3, je pense. Puis, là, il est 8h30. Puis à 9h50, il faut être... En bas, là. OK. Parce qu'on s'en fait un petit 3 ans pour aller voir des phoques, des lions de mer. Des pingouins. Ouais. Il va falloir faire ça vite. On a tout notre stock à ranger. C'est le déjeuner, hein? C'est tellement cute. Il y a Yanito aussi qui fait le moyen. T'es malade. Il a passé la plus belle nuit de sa vie. Toi aussi, t'as été malade. Moi, juste une fois. Il reste juste moi à être malade. Ça me tente vraiment pas. Je suis pas malade, guys. Fait que, on va vous laisser au déjeuner parce qu'on va après, faut tout ranger nos affaires dans notre sac. On a full affaire à pacter en espérant que ça rentre. Fait que, bye la gang. Bon, fait que on est prêt pour la croisière. On s'est équipé. Écoutez, il fait frais dehors, je suis en laine. Tout ton manteau. Tu mets du sucre, mon cache-cou. Comme, il fait 16, là. Fait que c'est pas chaud sur le bord de l'eau. Sur l'eau en plus. Sur l'eau, là, il fait faire comme moins 4, là. Fait que on voulait faire une petite vlog update avant de partir parce qu'on n'amènera pas la caméra. À cause de l'eau. Ouais, à cause de l'eau, mais on a la GoPro, fait que vous allez quand même voir. Quelques des images avec la GoPro. Fait que on se reparle tantôt. Bye! On est revenu de la croisière. C'était vraiment cool, full impressionnant. Pour vrai, on s'attendait pas à ça. Hein? Pour vrai, vraiment une belle expérience. Je me rappelle pas du nom, sauf. Mais en tout cas, si, je vais le trouver puis je vais le mettre dans la barre d'infos pour si jamais vous venez à Paracas pour la croisière. Là. Et puis là, c'est une activité vraiment pas chère pour vrai, by the way. Là, au niveau de cette activité-là, c'était 40 sols par personne. Puis 40 sols, ça équivaut environ 12 piastres. Ouais. 15 piastres, genre. C'est vraiment pas cher, puis c'est une petite croisière qui dure 2-3 heures. Croisière, c'est une excursion. Là. Ouais, on dit croisière, là, mais c'est genre un tour de bateau. Ça, on a vu des pingouins, on a vu des phoques, on a vu des loutres. Plein de sortes d'oiseaux, des loutres. Ouais. Puis juste comme. Belle expérience. Là. C'était vraiment comme des roches qui se sont formées, genre, dans le plein milieu de la mer. C'est vraiment. C'est vraiment impressionnant, fait qu'on vous conseille. Puis un autre affaire qu'on voulait dire aussi, c'est.
où est-ce qu'on est, là, à Paracas, dans le petit coin. Tu sais, c'est vraiment pas gros, Paracas, là. Fait comme, où est-ce qu'il y a tous les hôtels, c'est comme pas mal tout dans le même coin. C'est tout petit, Paracas. Ouais, c'est vraiment petit. Tu fais le tour assez vite. Ouais. Puis, dans le fond, on est allé, on vous conseille le resto Miski. Il est vraiment hot, l'ambiance est vraiment nice. C'est genre un resto-bar, là. Puis c'est comme, des jeunes travaillent là. Ouais, il y a de la musique, full bonne, full de l'ambiance. Dans le restaurant. Puis le resto, il est vraiment cute, là. Fait comme, on vous le conseille d'aller là. Puis deuxième place, c'est Frusion. On s'est pris un, je me suis pris un café glacé. Et je suis pas sûre qu'on voit. Bon, en tout cas, je me suis pris un café glacé, Eric un petit café chaud. Puis qu'est-ce qu'on a mangé, non? Ben hier, on a mangé des burgers genre vegan. Ah oui, hier soir, moi j'ai mangé un burger boulette de quinoa. C'était vraiment bon. Ouais. Les smoothies pis tout, c'est vraiment nice. Les smoothies sont vraiment beaux, là. Ouais. Sinon, moi, au niveau des hôtels, il y en a beaucoup. Au niveau des hôtels, il y a énormément d'hôtels à Paracas. Nous, on est vraiment chanceux. On a tombé sur un hôtel quand même vraiment pas cher, là. Ça a coûté comme 135 $ US. C'est 180. 180 canadiens pour deux nuits, pour trois personnes. Fait que c'est quand même pas cher, puis on est vraiment bien situé. Là, regardez les autres hôtels, là, des fois ils sont un peu dans un ghetto ou quoi que ce soit. Ouais. Nous, on est comme vraiment dans la place centrale où tout se passe, proche de tous des bars. Des restos, puis, tout, des restos, c'est vraiment nice. Puis on ça s'appelle le Riviera Inca, pour ceux qui veulent. Ils ont de l'eau chaude. Ouais, il y a de l'eau chaude, les chambres sont vraiment propres, ils font le ménage à chaque jour. La petite terrasse, le déjeuner, le matin inclus, c'est vraiment bien pour vrai, là. Fait que là, on est juste en train de chiller sur la terrasse. Il fait... Le soleil est sorti, là. Il fait tellement chaud. Ouais, pour vrai. Autant qu'à matin, bien. On gelait. On avait genre notre laine avec foulard. Le jour qu'on a passé par la casse, le matin, quand on se levait, c'était vraiment brumeux. On voyait même pas la mer qui était genre à 100 pieds de nous autres, quand il y avait de la brume. C'était vraiment. Puis vers ouais. Midi, comme ça. Ça s'est dégagé, sort, genre. Ça se dégage. Puis il fait vraiment beau, vraiment chaud, là. Les deux journées, c'est ça que ça avait fait. Ouais. Puis là, il nous reste quelques heures à Paracas seulement, là, dans 2h15. On prend l'autobus pour Aquachina, qui est environ 1h30 d'autobus d'ici. Ouais. L'autobus, c'est le désert, dans le fond. Le c'est Aïka. Ouais. Genre, c'est les dunes ça, de sable. Ça, j'ai hâte tout, en maudit, là. Ouais, avec je suis vraiment excité. Aïe, ça, c'est la place que j'ai plus hâte d'aller, là. Puis on voyage avec Pérubus. Aujourd'hui, ouais. Puis l'autobus, elle a coûté 5$. 5$ canadiens pour 1h30 de. 1h30 de bus. Wi-Fi, puis tout dedans, genre. Le nom d'hôtel ici, on l'a-tu dit? Ouais, je l'ai dit. Le Inca Riviera. Fait que c'est ça, on va enjoy le peu de temps qu'il nous reste ici, au soleil. Fait que la prochaine fois qu'on se repart, on va sûrement être à Ica Wakachina. Bye! Bye! Donc, on s'en va de l'hôtel. Il est temps, hein? Non, je ne veux pas être en mode vidéo. Ah, bah ouais, tu veux jamais une vidéo. Juste vous dire que Yann, il est toujours en vie, là, malgré qu'il n'est pas dans la vidéo. On quitte Paracas, on s'en va prendre notre autobus qui est à Guachina. On sait pas trop où, mais on se dit bye bye! Bye bye! Donc, c'est terminé Paracas, ce fut une belle expérience. Maintenant, on s'en va vivre d'autres expériences. Puis, à quel point, que, comme vu qu'on fait 7 villes différentes, on a l'impression à chaque fois d'aller dans un pays différent, comme une nouvelle aventure. C'est ça, on va essayer de trouver notre autobus et puis. Voilà. Par où? Ah, vous, maintenant, c'est où? Là-bas, le. Ok, dernière petite vue de Paracas. Il y a quelques palmiers ici, hein? Quoi? Quelques palmiers. Yann, il est là, le guichet. C'est là. Bienvenue à la gare. Voici la gare de l'autobus. C'est très. Il y a zéro indication. On n'aurait même pas su que c'était ici. On le cherchait en maudit, hein. Mais en tout cas, c'est ici, ça a l'air. Donc, on est dans l'autobus en direction de Aquachina. Aquachina, j'ai l'impression de le dire ouais. Encore, hein. Fait que. J'espère que vous avez aimé le vlog à Paracas. Donc, prochaine destination, Ica, au prison. Pas de choisir vraiment. Wakachina. Wakachina. Bye. On se voit. Ça me semble qu'on n'a rien dit. On a fait le vlog. Ouais, c'était bien.
Fait qu'on est arrivé. Check ça. Les dunes de sable, là. Oh my god, je suis tellement énervée, là. Hola! Ok, c'est nice ici! Oh my god! Ok, moi je trippe en ce moment, là. C'est hot! Okay. Faut payer pour prendre notre douche. Vas-y. Ben j'ai compris que ça coûtait 2 sols pour aller aux toilettes. Je pense. Hey, check comment c'est cute. Oh my god, je suis tellement bien ici. C'est la vie. Ok, c'est malade. Thank you. Key for the locker that's inside. For the lock. Where? That okay. Locker. There you can set your stuff, okay? Okay. If you need something, just let me know on the front. Perfect. Thank you. Okay, je capote, là. Oh, je savais que Wakachina, je pensais que ça allait être la place que j'allais plus aimer, mais honnêtement, c'est malade. Ça, c'est notre hôtel. Ben, hôtel. C'est des tentes, là. Puis là, on s'en va. Dumb buggy. Tu peux aller voir le coucher de soleil sans... Check ça, aussi. Ben oui. Tu peux y aller à pied. Check lui! Oh, merci. Oh! C'est malade! Je pense que je vais enlever mes souliers dans pas long. Ça marche mal dans le sable, mon sujet. Ça va toutes les salines. Aussi. Sérieux, là? J'enlève mes souliers. Check ça, là. On n'est pas au plus haut encore, là, parce que c'est vraiment dur de marcher dans le sable de même nu-pied, là. Mais honnêtement, c'est... Si vous venez au Pérou, devez venir à Aquatina. J'ai pas de mots, sérieux. Ça fait une demi-heure que... Sérieusement, là? On est arrivé. Puis on capote, on n'en revient pas, genre. Puis comme... aller à Desert Adventure, c'est comme un hôtel, c'est comme des tentes. Ouais. Loue, puis c'est vraiment nice comme place avec c'est des juste là, partout, là. Genre, parce que vous voyez la lumière, là, c'est notre piscine. C'est tellement hot, là. C'est vrai sable, là. Checkez ça, là. Hey, je capote, sérieusement. Genre, Cancun, je peux aller se réveiller. Oh my god, mais hein. C'est juste comme tout ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville. Tout autour, c'est des dunes de sable, genre. Tout autour, c'est comme malade, là. J'ai hâte de voir dans le jour, là. Oh! Fait que là, on va redescendre parce que Yann, il est genre en bas, plus bas, là. Il a pas monté jusqu'en haut avec nous. Fait que. Il faisait genre une crise d'asthme. Fait que, on vous reparle tantôt, on va aller souper en ville, ça a l'air vraiment hot, il y a l'air d'avoir full d'action, pis tout, genre, ça, ouais. Genre, c'est sûr, je vais triper ici, là, je capote déjà, genre. Fait que, on s'en reparle plus tard. Tantôt. Donc, vlog update, il est genre quelle heure, là? Il est 9h30, là, 9h45. 9h45. Monter sur une dune de sable. On sait pas si on a le droit, mais... On l'a fait quand même. On l'a fait quand même, puis on a amené... Notre bouteille de rhum de Paracas qui nous suit. On a acheté du coke en vitre, qu'il faut ramener à la bouteille demain, ça a l'air. De puis l'eau. Là, on fait un peu dur, fait qu'on va se faire des rhum and coke dans une vieille bouteille d'eau, parce que... on n'a pas de verre. Il n'y a pas de verre. Fait que dans le fond, on va remplir ça pour te faire des petits rhum and coke, puis après, si... le moment. La vue, là, pis tout. Pis genre, juste d'être dans le sable en ce moment, je comprends pas, genre, ma vie. On a, genre, vraiment, littéralement, les deux pieds dans le sable, là. Genre, je comprends pas, là. C'est vraiment fou. Pis le sable est chaud, là. Le sable, surface, c'est vraiment froid, là, gelé. Pis un coup, tu rentres ton pied vraiment profond, c'est chaud. Pis, tu sais, en ce moment, il fait pas tant chaud, là, mais je sais que on est dans le désert, fait que le jour fait full chaud, genre 30 degrés, 35.
Puis la nuit, il fait un peu plus froid. C'est pas pour vrai, dire. Genre, setup pis tout ici à Quatina. C'est ma... 10 sur 10, c'est genre. 20 sur 10, man. Genre, c'est genre, on dit qu'on comme... est comme dans un paradis. C'est irréel. C'est vraiment irréel, là. Je ne comprends pas en ce moment, je suis où, genre, c'est. On dirait des tableaux, là. C'est fucké, là. Ouais. Demain, vous montrer dans le jour, parce que vous n'avez pas vraiment vu, là. C'est encore plus fou dans le jour. En tout cas, ben, je sais pas, j'ai pas vu, mais. Okay. I guess que c'est encore plus fou dans le jour parce qu'on voit rien en ce moment, à part les lumières. C'est le temps d'un petit rhum? Ouais, petit rhum. Fait que, on vous reparle demain, la gang, quand on va se lever. Sûrement tôt parce qu'on est dans une tente et qu'il y a plein de monde qui parle fort tôt. Debuggé, photoshoot, ça va être vraiment nice. Ça va être hot demain, on va prendre plein de photos. Puis on aura pas dit qu'on est un petit peu pompette déjà. Hein? Un petit peu. Parce qu'on est allé manger au. On est allé manger. Waka fucking China. Ok, c'est vraiment hot comme resto. Puis, by the way, au Pérou à date, partout est. Tout est genre happy hour, là. Fait que c'est tout deux drinks pour le prix d'un. Partout, genre, partout, tout le temps. Partout, tout le temps. C'est comme là, c'était happy hour de 5h à minuit. Là. C'est genre toute la soirée. C'était genre deux drinks pour le prix d'un. Fait qu'on a pris deux Waka fucking China. C'est un affaire avec du Pisco Sour. Parce qu'ici, c'est le Pisco qu'ils font, là. C'est comme un alcool à base de 20-40%, en tout cas. Puis moi, j'ai pris deux mojitos. Puis Yann n'a pas fini son mojito, fait qu'on l'a levé à deux. Fait qu'on est déjà un peu pompé, là. On On est dans le désert, puis c'est juste malade. On va se voir demain, la gang. À demain. Bye. Bye. Donc, setup. Vraiment bâtard. On fait hard. On fait hard. Qu'est-ce que tu dis? On fait ça fort. On fait ça fort. Ah, qu'est-ce que c'est assez fort? Mais oh, t'es au chaud. Dieu, ami. Je sais. Ça comment colle parce va... que c'était non, froid. Non, comment qu'on va ouvrir ça? Oh! Mais c'est sûr que ça s'ouvre de même, là. Non, non, c'est pour un opener. Une clé. T'as une clé? J'ai pas de clé. T'as-tu un lighter? J'ai pas de lighter, c'est moi. Ah, mais Chris. Essaye de l'ouvrir, je vais essayer après. Ah, mais oublie ça, là. Ok, non, j'espère qu'on va boire du rhum un peu. Avec un chargeur de sel. Attention, toi, chose. Tu vas péter le chargeur, c'est sûr. Tu vas le péter. Tu vas le crocher. Il y a une bébite. Mais non. Ray. Marche pas ça. Crachez la poêle. Là, oublie ça, boire ça là-dedans, là. Non, oublie ça. Ok, attends, on va réfléchir, là. Ça se passe mal.